Ok. Non mais Larry, je le déteste, il sert à rien ce bâtard, ça streamhack, il fait sa balance là. En plus, il est débile, il a même pas attendu que ça se fight en fait, donc ça mène juste à rien son truc. Ça sert à rien de balancer, parce qu'en soit là, il s'est rien passé, tu vois. Je comprends pas, c'est totalement débile. Casse-toi, putain. Ok. Toi. Bonsoir monsieur, sautez, vous avez un chewing-gum. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain. Oh merde. On peut dire qu'il a pris un mur, hein. Ah bah là. Vous avez appelé une ambulance, c'est le pote à qui là? Ah bah je viens d'arriver moi. Ouais, c'est bon, j'ai appelé une ambulance, il devrait pas tarder. En fait, vous êtes? On s'est jamais croisé, je crois. McGillaghan. Enchanté monsieur, et vous? Enchanté. Et moi je suis Ron Wick. Hein, John Wick? Ah putain, enchanté, je vous kiffe. D'accord, et vous faites quoi alors dans la vie monsieur? Vous étiez boueur? Bah j'étais boueur, mais bon, là je vais commencer à chercher autre chose. Ouais, c'est compliqué en ce moment, hein. Ouais, c'est taxé, y'a rien qui va. Monsieur Johnson, vous avez besoin de quelque chose? Oh, là, bah regardez, y'a un homme à terre. Bah j'en sais rien, je sais pas du tout, je viens d'arriver, il était à terre. Vous avez appelé le SMS? Ouais, c'est bon. Maman! C'est rien monsieur, oh putain il commence à pleuvoir. Il est pas habitué, je crois qu'il est il est pakistanais lui. J'ai envie de faire pipi. Ah ou c'est le mexicain, je sais pas trop hein. Là on peut pas trop bien voir. J'ai envie de faire pipi. Eh monsieur, pissez-vous dessus au pire. Maman. Monsieur, maman, vous m'entendez ou pas passe, maman. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Maman, est-ce que c'est toi qui me parle? Ouais, c'est ta mère. Et je suis à deux doigts de te mettre un suppôt, donc est-ce que tu m'entends? Maman, je suis là, n'y pleure pas. Ouais, je suis là aussi. Et écoute, je suis à deux doigts de t'allaiter là. Donc écoute ta mère deux minutes, ok? Et il est où votre pote? Je suis par terre. Oh putain. Allez, réveillez-vous, monsieur, là. Oh, putain. On a un homme ivre-mort, là, au sol, là. Bah tiens, tu veux faire une petite news? Ouais, bah j'en sais rien. Prends photo, il fait le kiffer. Bon. Je vais pas très bien, monsieur. Il a trop bu, le monsieur? Ah, il est mort en attendant les flics, je suppose, hein. Oh, putain. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Oh, putain. Vous êtes tombé. Oh, putain. Oh là là, je crois que j'ai envie de... Bah venir. Monsieur, il est où votre pote là? Dites-moi. Mon copain, je crois qu'il est dans la prison, je crois. Ah oh, putain, qu'est-ce qu'il a fait pour être dans la prison? Je sais pas monsieur, je crois qu'il a eu un problème avec la police. Et il a fait quoi? Dites-moi plus, allez, s'il vous plaît, faites travailler votre mémoire. Il était la voiture, on est monté, ouais. La police elle est arrivée. Ouais. On a couru. Ouais. Et je l'ai vu se faire arrêter, c'est tout. Mais non, mais vous avez fait quoi pour... On se fait pas arrêter comme ça, monsieur, hein. Mais je sais pas, monsieur, moi j'étais parti en courant, je n'ai pas vu faire ce qu'il a fait. Oh putain, bordel, mais où on est, là? Ouais, tu m'entends? Ouais. Putain, mon tu prends la course ou pas? Quelle horreur, là. Ouais, je prends. Ok, je suis avec un citoyen, là, c'est pour ça. Vas-y, à toutes. Je reviens, les gars. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur, vous avez appelé un taxi, tout ça pour vous dire qu'on arrive. Ça marche, je vous remercie beaucoup, monsieur. À tout de suite. Allez, monsieur, à plus tard. À plus tard, bonne soirée. Merci, vous aussi. Oh putain, qu'est-ce qui se passe d'un coup là en ville? Allez, let's go. Tu prends toi la course? Ouais, je la prends. Venez, monsieur, s'il vous plaît. Rentrez dans la voiture noire, monsieur. Allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Bah très bien, je vous emmène où? Dites voir, parce que ça avait l'air urgent. Oui, au commissariat, s'il vous plaît. Allez. Vous allez être déçu, hein, y a pas grand monde au commissariat, monsieur. Hein. Ouais, c'est pas grave, hein. Tant qu'il y a au moins un policier. Ah, un numéro. Ah bah c'est bien là le problème. J'ai la radio, j'ai contact. Ah bah je vais contacter la radio, et pas de soucis de toute façon. Voilà monsieur. Merci beaucoup. Voilà monsieur, ça fera 60$, ça vous va? Bien sûr. Allez, super. Et voilà pour vous. Merci monsieur, passez une agréable journée. Aller. Merci de même, au revoir, travaillez bien. Au revoir. Ok, il se passe des trucs un peu partout en ville. Bon. T'avais reçu mon message? Ouais, bah t'en sais un petit peu plus ou quoi là? Ok, ouais, il m'a arrêté pendant 20 minutes. Ouais. À la fin, j'ai demandé. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me disait, ouais, c'est le bordel en ville et. Mais comment ça, c'est le bordel en ville? Ils t'ont rien dit plus? Fais gaffe, t'as un chewing-gum, Johnson. Ouais, je sais. Ils t'ont rien dit plus? J'ai surtout que demandé c'est le parce que je voyais des voitures passer à fond et tout. Ouais, je me doute où ils allaient. C'était la galère de voitures. Ouais, je sais pas, il y a peut-être une intervention, j'en sais rien. Parce que là, les flics, on les entend beaucoup, mais on les voit pas beaucoup par contre. Je sais pas ce qu'ils font, ils tournaient vers le nord de l'autoroute. Ouais, je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est trop, ils étaient juste en train de camper un feu rouge histoire de voir si quelqu'un allait pas le griller. Eh, Divoire, tu connais un Larry, ça te dit quelque chose ou pas, Palvin? Non. Non, je connais pas. Bref, si tu vois quelqu'un, cheveux gris, tatouage, qui se prend pour un beau gosse mais qui est aussi beau que la dalle de béton sur laquelle t'es beau, t'évites de lui parler. Ouais. Fais pas confiance. Ça marche. D'accord, dis-lui jamais rien.
Il essaye de bosser partout, j'ai pas de cachet que là il essaye d'être flic, mais il sera jamais flic. Bah tu peux y aller si tu veux, Palvin, hein, si tu veux emmener 2-3 personnes, ouais, les aider en ville, histoire de renfouer un peu les caisses. Il y a 2-3 personnes qui parlent pas trop. Ah, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Hein. À plus. Ouais, t'as des nouvelles alors? Non, aucune, à part que Jameson va faire un article. Il l'a déjà fait ou il va le faire? Il va le faire, là, il va tailler un peu les flics. Tu sais qu'on est dans la merde là. Pourquoi? Bah parce que quand Dawson a fait la gaffe, Larry il était là. Ah oui. Donc ouais. Bah après j'ai envie de te dire, en fait, en tous les cas, il aurait soigné des gens et tout le monde aurait vu qu'il était médecin, y'a que qu'en démontage. Ouais, mais tu l'as jamais des Parkinson comme ça à l'arrache, c'est pas le mot que t'emploies le plus souvent dans la vie, tu vois. Non. C'est tout ce que t'as à dire, bordel. Voilà, bordel de... Ah, oh, pute de chien, de casse, de merde. Voilà, c'est bon, fais-en pas trop par contre. Ouais, parce que c'est... Je vais pas te mentir, j'étais pas tardé à aller à l'hôtel, hein. Maintenant. Ah, pourquoi? Maintenant que les événements sont passés. Ouais, mais tu sais. Qu'il y a pas mal de monde qui vont retourner à l'hôtel. Tu sais, ouais, détrompe-toi, hein. La ville est blindée, mon pote. Déjà, être sûr à 100% que c'est bien lui, déjà. Ouais, d'après toi. Et je pense que c'est lui. Mais oui, il y a tout qui coïncide. Regarde ce qu'il disait quand il était devant le Comico. Ils lui ont demandé de choper après les infos. Rossum, ce petit fils de pute. Après Rossum m'a dit que ça pouvait être un flic. Et moi, j'ai dit, vu qu'il n'y a pas le capitaine ni le commandant, c'est que des cadets. Mais c'est de la connerie, c'est de la connerie, je te dis. Ah, allô, Jameson. Ouais, Jameson. Ouais, ça va, Jameson. Ça va, Jameson? Ouais, et toi, Jameson? Qu'est-ce qui se passe? T'as des nouvelles, là? Tu sais un petit peu où sont les gens et tout, là? Parce que... Là, j'ai déposé mot au commissariat. Et moi, je suis en train de rédiger mon article sur le Fight Club. Après, ouais, je sais pas du tout. Fais attention, te fais pas griller, hein. Bah non. Pourquoi? Non, mais en disant des trucs que tu devrais normalement pas savoir. Non, ouais, j'ai marqué... T'es journaliste d'investigation, mais bon. J'ai marqué selon plusieurs sources. Après, voilà, les gars. Hey. Ouais, mais fais gaffe quand même, d'accord? T'inquiète pas. Mais sinon, je te dis, j'ai déposé mot au commissariat, et après, je sais pas du tout. Parkinson était à l'hôpital, je l'ai croisé. Ouais, après, je sais pas. C'est moi qui l'ai déposé, j'irai à l'hôpital, je vais voir ce qu'il y a. Ok, ça marche. Oh, bon, je sais pas qui, là. Il a quoi comme manteau, l'arrêt? Il a une sportive, je crois. Sportive rouge, il me semble. Ouais, c'est pas bâti. Bâti, oui, ça. Ouais, coup de chaud. Non, c'est pas une bâti, non. C'était un peu moins classique que ça. Il était en train de se faire suivre par un mec avec une moto orange. Et il me dit, ouais, il me suit et tout. Et après, je croise le mec avec la moto orange. Et le mec avec la moto orange, il me dit, ouais, l'autre, il me suit et tout. Alors, j'ai pas compris, tu sais. À mon avis, il y a des embrouilles entre lui et un autre gars, tu sais. Attends, t'es un pote à l'arrêt, toi? Non, t'es fou, quoi. Ouais, cette petite salope. Attendez, messieurs. Il y a un cadet. Oh putain, un flic. Oh là, police. Parce que on attend des flics depuis un moment et on croise personne, putain. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi j'aimerais m'inscrire au port d'armes. Attendez, on va se mettre sur le trottoir. Port d'armes, il y a actuellement personne qui peut ouvrir les dossiers pour l'instant. Ah bah non. Ça m'étonne pas, putain. Tiens, regarde, c'est beau taxi, Johnson. Ah putain, sérieux, quoi. À chaque fois que je viens, il y a personne, hein. Non, il y a pas de capitaine, il y a pas de commandant, il y a pas de sergent, il y a rien du tout, putain. Ouais, bah ça sert à rien d'y aller pour l'instant, alors ça va porter plainte, quoi. De toute façon, entre vous et moi, tout ça, c'est déjà écrit. Ah, merci, ouais, monsieur Pani. Ouais, mais moi, les coups de tasse que j'ai pris, ça va lui valoir des sous, hein. Non, je le sais, monsieur. Pas, t'inquiète pas. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Mais bien sûr, exactement. On peut pas tout avoir tout de suite dans la vie. Dawson, fais un effort, écoute, monsieur Pani, il est de notre côté, t'inquiète pas. Il a vu ce qui s'est passé. Et il va pas laisser ça. En ville, eh ben non, mais on y pense tous, mais malheureusement, y'a personne pour l'instant. On verra la prochaine fois. Voilà, on va merci, pas monsieur Pani, en tout cas. Pas vous êtes quelqu'un de confiance. Un petit concert à l'occasion. Eh voilà, mais c'est pour ça que je regrette pas et que vous êtes un de mes préférés, monsieur Pani. Eh, par contre, ma portière, elle est où, putain? Ah, c'est vrai qu'il manque une portière. Elle est là, ta portière. Comment ça, elle est là, ma portière? Tu vois pas qu'il te manque une putain de portière, là? Bah ouais, bah t'arrêtes de faire le coup avec mes taxis, allez file. J'ai pas de portières qui sont pas là, hein. Et il se fout de notre gueule, hein, il est aveugle en plus, hein. Putain, mais y'a deux portes en moins là. Ouais, allez file. Sacré pilote, hein. Ouais, je te jure. Pilote, mais on cul. Ouais, mais c'est, tu sais, c'est le brouillon de la famille, hein. Tout à l'heure, on a intercepté un de vos taxis, c'est bien vous le patron, hein, c'est ça? Ouais, c'est bien moi, ouais. Ou c'est vous, monsieur Van Tag? Non, ah, c'est vous. Je suis, peut-être vos taxis qui... Il y a eu du mal à s'arrêter quand même, hein. Il y a deux unités qui ont dû rejoindre le... Une unité qui a dû rejoindre la patrouille sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé, pas. Monsieur? C'est quoi, c'est Dreadlocks? Je sais pas... Attendez, je m'en... 59 à Centrale, est-ce que je pourrais avoir la personne qui a intercepté le taxi tout à l'heure sur la freeway direction Sandy Shark? Kelvin Barrow, je crois. C'est bien ça. Bah, c'est mais alors pourquoi vous l'avez arrêté? Au début, je crois que c'était excès de vitesse. Excès de vitesse, plus, à plus de 160 km/h sur l'autoroute de l'Est. Voilà, et il y avait un passager sur la route, dans la voiture au cas où. Il était en mission. Ouais, mais.
Messieurs, vous allez arrêter tous ceux qui grillent des feux rouges ? Notre travail. Ouais, c'est notre travail. Sauf que malheureusement, le mien, je persiste à dire qu'il était pas rouge, mais enfin bon, pourquoi pas. Ah, ça c'est notre collègue qui vous a vu, c'est pas nous. J'ai dit, nous deux, on était pas... Nous, on s'occupait de votre frère. On s'est pas occupé de... Juste pour ça, mais au feu rouge, on est d'accord qu'on peut s'arrêter, 3 secondes après, redémarrer. Oui, c'est certain. Très bien, messieurs. Bah, je vais vous laisser, on va pas se branler les couilles devant le comico, hein. Je vous dis à plus tard. Moi, ça me dérange pas, mais... Ouais, je sais que tu kiffes ça, mais bon. Allez, bonne soirée, messieurs. Pas de nous voir, y a pas de flic, putain. Quand tu me déposes. Allez, ça me gonfle. Vas-y, monte. Je te dépose où ? Là où tu veux. Allez, je vais voir s'il y a de l'action à l'hôpital. Ah, ça me fait du bien d'ouvrir les fenêtres comme ça, ça aère un peu, tu vois. T'as bon, pour moi, t'as toute la fenêtre fermée. De quoi ? Je comprends pas. Crache le caillou que t'as dans la bouche. Non, mais putain, t'as pas ouvert la fenêtre, tu fais chier, hein. Ah merde. Non, je disais que t'avais la fenêtre fermée encore. Oh putain, regarde qui est là. Attends, tu crois qu'elle est ouverte cette petite voiture là ? Non. Eh, moi je suis pas si sûr, moi je miserais qu'elle est ouverte, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Vas-y, ça y est. Il aime pas la partie de ça. Il faut une craie aussi. Ouais, non. Ouais, mais faut pas les manger, les cailloux. Bon, qu'est-ce que vous faites là, tous ? Il se passe quelque chose ici ? J'ai chaud. Bon, allez, bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bisous. Ah, moto full noir ? On a compris. Mesdames, messieurs, pourriez-vous tous m'écouter ? Je suis le médecin qui parle. Le véhicule là, le gros 4x4, il dégage, c'est pas un parking. La voiture là, elle dégage, c'est pas un parking. Les deux motos là-bas, elle dégage, c'est pas un parking. Toi aussi, allez. Ça dégage. Non, pardon. Pardon ? Ah putain, ça, je suis pas déçu d'avoir vu ça. Hein. Moi, s'il vous plaît, messieurs, vous pouvez m'écouter ? Ah bah alors, sinon, c'est sosie. La fouère en fait, hein. C'est pas mon problème. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon, ça va ? J'ai eu un accident de voiture. Recule. Oh putain, tiens, viens voir. Tu sais où il est ? Ah, c'est vous qui êtes garé là-bas ? Affirmatif. Vous avez bien fermé le véhicule ? Je suis pas sûr. Parce que j'ai vu des gens traîner à côté, c'est pour ça que c'est un petit peu... Faites attention quand même, hein. Ouais, c'est pas grave. Dis-moi, vous avez des infos par rapport à ce Fight Club, là ? C'est quoi cette histoire encore ? Ah, bah, regardez les infos sur Innocent News, là, votre collègue, comment il s'appelle, Jameson, a fait un article. Ah, mon frère ! Ah ouais ? Attendez, bougez pas, j'ai regardé. Hop. Alors, laissez-moi regarder. Oh putain, c'est quoi ces conneries ? Il s'est vraiment passé ça, là, tout à l'heure ? Ouais, carrément. Et vous avez réussi à intervenir ? Bah négatif, on était au courant qu'il y avait ce genre de choses qui se passaient, mais on n'avait personne sur le coup pour nous indiquer où est-ce que c'était, donc on n'a rien... Ouais, attendez, mais c'est quoi ce projet de Fight Club, là ? C'est quoi leur but à ces gens-là ? C'est gagner de l'argent ? C'est vraiment réalisé, en fait. Ouais, mais c'est quoi leur projet ? Depuis 3 jours, ils essaient de faire des trucs illégaux il y a 3 jours, ils faisaient une course illégale. Ils sont partis du Nord. Ah, j'ai entendu parler de cette petite course, mais c'est à vous d'ailleurs que j'ai parlé, je crois, non ? Un moment. Pas possible, pas impossible. Ah, j'ai parlé à des cadets, ils m'ont parlé de cette course. Ça, j'avoue que c'était chiant déjà. Mais là, cette histoire de Fight Club, c'est chelou, ouais. Et là, du coup, ils ont fait un Fight Club, mais du coup... Bah, vous savez quoi à ce sujet-là ? Vous savez, Johnson, si vous pouviez vous renseigner ? Bah, je peux essayer via les clients, mais vous savez, il y en a qui sont pas très bavards, hein. Et il y en a qui ont pas besoin de mes services, alors c'est un peu compliqué. Hein. Mais ouais, je peux essayer de me renseigner. On va essayer de s'en occuper de notre côté. Vous voulez savoir quoi ? Vous voulez savoir qui est l'organisateur ou qui a participé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est la source de Jameson déjà ? Pourquoi ? Attendez, bougez pas. Ah, mais pour savoir. Après, vous savez. Vous avez essayé de l'appeler, vous ? Vous avez essayé de l'appeler ou pas ? Ah, j'ai pas son numéro. Ah, si, attendez. Ah, si, j'ai son numéro. Et vous voulez que je lui dise sinon ? Dites-lui, vous voulez que je lui dise de venir à l'hôpital ? Bah tiens, allez, quand on parle du loup. Bah alors, Jameson. Hop là, toi ? Ah, dites-moi, monsieur Jameson, c'est qui vous a raconté cette histoire de Fight Club là ? On indique, pourquoi ? D'accord, et vous venez en parler au commissariat ? Ouais. Le mec là qui t'a dit des trucs là, qui se dit être la source là. Bah je peux pas donner son nom parce que bon, ça fait partie. Non, mais il y a un autre gars là qui disait en savoir beaucoup, je sais pas quoi, hein, tu m'avais dit là, comment il s'appelait ? Il avait un nom et un peu portugais là. Il a dit qu'il bossait avec les flics, mais s'il savait des choses, il disait. Comment il s'appelait là ? Un mec, c'est un lascar là, il fait tout pour trouver un boulot, mais il n'y arrive pas, personne veut de lui. Ça, c'est Larry Cruz. Ah, voilà, putain, ouais. Je vois qu'on peut rien vous cacher, monsieur le canard. Ouais, bah lui, faites gaffe, hein. Faites gaffe, parce qu'il fait genre, il veut choper un poste, mais apparemment, il dit des trucs bizarres, ce mec-là. Monsieur, je sais pas. Le taxi, comment vous appelez, s'il vous plaît ? Merci pour tout, monsieur Johnson. Ah, monsieur McGregor. Merci à vous, monsieur le cadet. Monsieur McGonagall. Non, pas McDonald, McGonagall. Monsieur McGonagall. Ah, McGonagall, faites un effort. Vous appelez comment, monsieur ? Allez, vous appelez comment, vous, monsieur ? Woodwire. Comment ?
John O'Dwyer. Ok, bah écoutez-moi, Angeliver, je fais un effort avec votre prénom, faites un effort avec le mien, c'est Mac Gallaghan. Ouais, non, mais bien sûr. Bon, qu'est-ce qui se passe, dites-moi. Par contre, du coup, votre voiture, s'il vous plaît. Ouais, elle est belle, hein. Keep clear, keep clear. No parking. Ouais. Et t'as pas vu que je parlais avec les forces de l'ordre ? Non, ça te pose. Non, si, ça très bien. Mais vous pourrez pas garer votre voiture là-bas et ensuite parler avec les forces de l'ordre ? Parce que moi, regardez, hop, nickel. J'avais pas vu le banc, les gars. Ouais, ouais, c'est. Oh putain. Allez, c'est bon, merci, voilà, monsieur Angeliver, je m'en vais, vous inquiétez pas. Merci bien. Baltringue ! Putain de Baltringue ! Fais-lui un watt, fais-lui un watt à ce bâtard. Voilà, bon, j'étais mort, à la foutre. C'est bon. J'ai pas longtemps, c'était manger c'est mort, respirer raisonnable. Ouais, et alors, c'était raisonnable ou pas? Bah y'a du bif à se faire, du genre, apparemment y'a un restaurant qui est ouvert dans le cimetière. Oh, où les gens peuvent venir bouffer leur oncle. Ah bah d'accord, mais ça c'est pas un restaurant mexicain ça, où ils déterrent leurs grands morts et ils font la fête et ils les bouffent? C'est exactement. Ah putain, ça je connais bien ça, hein. C'est des traditions hein. Tu sais Mo, laisse-moi te confier un truc. Le jour où tu vas crever, bah sache que je vais essayer de manger tes grands membres. Ah, c'est bon, t'as quel âge? Ah, j'ai plus de chances de crever avant toi, mais enfin. Ouais, j'ai 40 balais. Voilà. Bon, on va mal finir avec ces conneries. Moi j'en ai 35. Ouais, j'ai 39 ans pour être plus précis, moi. Ouais, mais t'as vu comment tu fumes? J'ai 2 mois et 5 jours. Ouais, mais tu fumes beaucoup. Moi je fume beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas fumé, mais bon, je me suis limité à 30 paquets par matin. Un peu la merde tout ça, hein. Si on doit résumer cette soirée, ça a plus créé la merde qu'autre chose, putain. Ah bah, elle est à la limite de la frontière de se comparer au braquage. Ok, on a tenté quelque chose. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre Larry. On va dire que c'était une de ses sources. Et on va le foutre dans la merde. De quoi? C'est simple, Jensen, il a écrit un article. Il a dit qu'il avait des sources. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Bah, ok. On va dire que cette source-là, c'était Larry. Comme ça, on va leur faire comprendre qu'ils se font doubler par Larry. C'est-à-dire, Larry, il bosse avec les flics, mais il bosse aussi avec les mecs de l'illégal. Quand ça l'arrange. C'est une vraie girouette, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc on va faire comprendre tout ça. Par contre, faut que Jameson, il arrête de raccrocher, ce petit bâtard. Ouais, Jameson. Oui, Jameson, je suis un petit peu occupé, là. Qu'est-ce qui se passe? T'es où, là? Je suis dans le comico. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens ce que je t'ai dit devant l'hôpital? Ouais. Voilà. Bon, bah, tu te dis ça de manière à ce que le doubleur se fasse doubler. Eh bah, c'est en cours. C'est pour ça, c'est en cours, là. Je suis en train. Voilà. Si t'as besoin ou autre, t'hésite pas, tu nous appelles. T'inquiète, ça marche. Ouais, bon bah c'est bon, c'est en cours. Ouais. On va faire en sorte que Larry prenne sa part. Ce serait drôle que ce soit pas Larry finalement. Mais bon. Ouais, non mais il faut qu'il prenne sa part. Tu vas pas commencer à le kiffer. Arrête un peu tes conneries, y'en a pas un qui le supporte dans cette putain de ville. Ah non, mais faut que je spie sur quelqu'un. Ouais, mais lui c'est vraiment une sacrée gueule de con, putain. Tu sais quoi, je me pose des questions quand même, hein. Tu vois le cadet là qu'il y avait là devant l'hôpital? Ouais. Il m'a demandé comme par hasard si je savais des trucs sur ce Fight Club, tu vois ce que je veux dire? Il m'a demandé d'essayer d'interroger mes clients et tout. Ouais. Et j'ai peut-être une idée. Putain, réfléchis avec moi. Comment on peut faire pour que Larry tombe dans cette histoire? Encore une fois. Je peux très bien dire que j'ai trimballé 2-3 clients qui m'ont tous dit la même chose. Ouais, tu peux, mais vous donnez les noms. Ouais. Sinon, c'est que des... Ouais, mais je les donne pas. Ouais, mais le métier, c'est qu'au bout d'un moment, il y a le secret professionnel, putain. Ouais, je sais pas, je vais réfléchir à un ou deux trucs qui peuvent être intéressants. Il vient quoi, Dawson? Il a enculé toutes les portes de mon taxi, ça y est? Ouais, possible. Là, je crois qu'il passe au moteur, là. Ouais, clair. Ouais, putain, c'est la merde. On est repassé à 32 000. Faut bosser un max. Et attends, mais quoi? Bah, on était à 36 000, alors? Allez, file. File faire des courses. Je vais appeler Calvin Peter, j'en ai marre. Ouais, stop, je veux dire. Ouais, Balbine. Ouais. Ouais, fais un max de courses, c'est la merde dans la caisse, je viens de vérifier, on est à moins 3000 là sur la journée. Ah, je suis en train là, mais... Ouais. Qu'est-ce qui se passe, ça paye pas? T'as pas l'air heureux de ton boulot, putain? Ah si. Ouais, bah voilà, allez, fais-moi rêver s'il te plaît. Parce que là, la caisse, c'est la merde. Ah, mais je pense qu'en une heure, je prends 600, mais en une heure, je te donne pas 600 en fait. Si, c'est bon, t'inquiète pas. Ouais. Ouais, les flics, ils m'ont parlé de ton histoire là. Fais attention la prochaine fois, au cas où. Ouais. Messieurs, vous savez quoi? On va faire en sorte que chaque situation qui nous arrive... On essaye de mettre Larry dans l'histoire. Histoire qu'il prenne sa part au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, il sera jamais flic autant qu'il prenne sa race. Bon, Jameson, tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé ou pas au Comico? Bon, alors, j'ai parlé avec le cadet 21, tu vois, qui te ressemble un peu, qui nous aime bien là. Ouais, le beau gosse! Ouais, c'est normal, il me ressemble. Ouais, exactement. Je lui ai dit que j'étais en très très bon terme avec le capitaine et que chaque info. Enfin, que je donnais pas des infos pour mettre en péril les agents ou quoi que ce soit. Il m'a dit que c'était sympa et il me faisait confiance. Et s'il y a des infos, il me les donne. Si j'ai des infos, je lui donne. C'est du donnant-donnant, quoi. Ah, et comment t'as réussi à mettre Larry dans la merde? Bah ouais, je lui ai dit que le Larry, c'était très bizarre. Il m'a dit oui. Et il m'a dit de toute façon, tôt ou tard, il va falloir le cueillir. Parce qu'il fait trop de trucs bizarres avec la police. Ah bah voilà, voilà des choses enfin intéressantes. Vous avez des nouvelles de notre cousin qu'on déteste tous ici? Moi, je l'ai croisé tout à l'heure, il était en service.
Ok, tant voilà, mieux. Et on était à l'armurerie et je me suis pris. Oh la vache, attends, tu la sors d'où, putain? Hop là, ouais, de mon cul. Ah d'accord, ok, à la et, vache. J'ai offert un petit couteau à Jameson au cas où il a besoin. Un petit schlass. Ouais. Okay, ouais. Ouais, donc pour l'instant, le PPA, on est d'accord que je peux pas avoir un petit Glock des familles là. Mais je sais pas, j'étais voir à la boutique, y'avait pas d'armes à feu. Vous êtes renseignés, les gars, sur. Apparemment, illégalement parlant, il se passe des petits trucs un peu nouveaux là. Apparemment, c'est du très très lourd. Très dangereux. Ouais, faudrait qu'on trouve des points, comme on disait, mais pour l'instant, on a rien quoi. Avec moi, on a fait hier, on a écumé un peu le nord, mais on a rien trouvé quoi. Pour éviter qu'on communique par SMS sur des choses un peu chaudes. Ouais, comment on accède au Dark Chat là? Comment on accède au Dark Chat? Justement, j'allais en parler justement. Regarde ce que je vais faire, je vais créer un channel, ok? Et tu vas créer un channel où? Sur quoi? Sur le Dark Chat? Va sur le téléphone, tu vas sur le téléphone, tu vas dans les petites applications tout en bas là. Ouais, il y a Dark Chat. Attendez. Ouais, mais je suis pas teubé, merci putain. Vous faites tous flèche. Ah oui, non, c'est pas le vrai Twitter. C'est le Twitter uniquement de la ville, gros. Et en channel, vous écrivez S majuscule et en gros, vous écrivez Salam, quoi. Avec un S majuscule. Attends, quoi? S-A-L-A-M. Mais attends, mais comment t'as pu? C'est fait, maintenant tu rentres dans le channel. What? Et j'ai écrit un message. Ouais, mais attends, mais tout le monde le voit, ça, non? Seulement ceux qui sont dans le channel. Ah, putain! Ah oui, il faut avoir le channel pour aller dessus. Mais c'est stylé, cette connerie! Y'a quelqu'un qui a besoin d'un taxi. Voilà. J'y vais. Eh les gars, appelez les clients, sinon ils s'en vont, hein. Sinon, quand on part à l'hôtel, ce channel se supprime, on doit le créer à chaque fois. Ah, ok. Attendez, bougez pas. Chaque fois qu'on met potentiellement la carte SIM, faut le faire ça aussi, quoi. Voilà. Ouais, bonjour monsieur, donc, vous avez appelé un taxi? Un petit nom de ouais, j'ai appelé un taxi, ouais. Très bien, j'arrive immédiatement, okay. Monsieur. Super, parfait, merci beaucoup. Allez, monsieur, je vais faire. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que ce soir, là, pour clôturer, vous pouvez faire 30 petites minutes de course, si vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, la caisse, on est en moins encore ce soir. Merci, messieurs. Alors, on y va. Bon, c'est un mec avec son chien. Ok. Bonjour, monsieur. Bon, monsieur, c'est vous le taxi? Ouais. Ça vous embête si je mets le chien à l'arrière? Ouais, bien sûr que non, allez-y. C'est une belle bête. C'est un husky, ça, non? Ouais, exact. Allez, c'est bon, vous pouvez rouler. Allez. Bah, je vous emmène où, monsieur? À l'hôtel, s'il vous plaît. À l'hôtel. Très bien. Allez, direction hôtel. Bon, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Ah bah, j'ai passé ma journée à l'hôpital surtout, donc on va pas dire que ça va bien. Qu'est-ce qui s'est arrivé, monsieur? Un accident de moto dans un premier temps. Ah, ouais, c'est pas chaud. Et après, je me souviens même pas en fait. Je me suis réveillé dans le bloc et j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Bah, attendez, vous avez passé toute la soirée dans le bloc? Non, mais... Mais bon, j'ai cherché, peut-être vous connaissez la ville, je sais pas si vous connaissez un abattoir ou un fast-food ou des choses comme ça, ça me parle. Pourquoi vous voulez que je vous y emmène? Ouais, je connais une petite supérette là. Non, pas une supérette, c'est pour, vous savez là, il y a la chasse qui est ouverte et... Ah oui, j'ai aucune idée de où on revend les choses en fait. Et a priori, personne ne connaît les vendeurs donc... Pour l'instant, je vous avoue que aucune idée, je vais pas pouvoir vous aider à ce niveau là malheureusement. Oh, c'est pas grave, je chercherai, je trouverai bien. Vous faites quoi comme boulot, monsieur? Là, pour le moment, et boire, hein, vous savez, il n'y a pas grand-chose dans la ville. Ah, c'est pour ça que vous faites de la chasse en parallèle? Mais bon, j'espère que plus tard, on pourra ouvrir quelques entreprises. Là, j'ai des projets, mais bon, j'attends. Bon, 100$, ça vous va, monsieur? Ouais, allez-y. Bon, mais n'hésitez pas, sinon je peux baisser mes prix, hein. Je veux pas mettre les clients à dos. Ne vous inquiétez pas, quand j'ai besoin, je fais appel à vos services. Bon, là, on n'était pas très loin. Ouais, mais bon, vu que je sors de l'hôpital, je veux pas commencer à courir dans toute la ville, hein. Ouais, faites attention à vous. Bah, la prochaine fois, vous savez quoi, je baisserai un petit peu, rappelez-le-moi. Ouais, c'est gentil. C'est quoi votre nom, déjà? C'est McGillaghan. Johnson McGillaghan, monsieur, et vous? McGillaghan. Ok, Jean-Paul, Pignol. Oh, d'accord, très bien. Ok, c'est original. Vous venez du sud, non? Vous avez un petit accent du sud? Ouais, exactement. Ouais, sud de la France, ouais. D'accord, très bien. Alors, bah, reposez-vous bien. On a du chemin, mais bon. Ah ouais, je me doute bien, merci, mais vous êtes pas déçu d'être dans cette ville? Non. Bon bah reposez-vous bien, monsieur, en tout cas. Merci et bon courage pour votre service, monsieur. Merci, passez une bonne soirée, monsieur. Jean-Paul Pignol, il m'a fait rire. Bah vous savez quoi? En vrai, je vais commencer une petite mission. Vous devez être dans un taxi. Oh non, je suis pas considéré comme un taxi. Ok, bon bah vous savez quoi? Je vais ramener mon véhicule. Oh, ça c'est un petit bug. Ok, on va le mettre dans Léa. Elle a un très gros garage, Léa. Putain, ils ont tous les véhicules. Attends, est-ce qu'ils ont bien... Ils font bien gonfler la caisse? Menu patron. Yes, c'est bon, ça gonfle. C'est bon, ça gonfle. Non, parce qu'il y a nos salaires à payer et tout, donc on est en négatif. Ok. Est-ce que si je péta... Attends. Est-ce que si je péta... Ok, ça marche. Ok. On va attendre qu'il y ait un petit client. Ok, bon, je peux péter un véhicule et tout. En fait, faut vraiment être dans un taxi. On va se balader un petit peu en ville, on va déposer quelques clients pour faire des lovés, on va éteindre la musique pour pas avoir de problème, n'est-ce pas?
Voilà, parce que c'est des vraies musiques, je le rappelle. Oh putain, client. Allez, ok. Première fois qu'on fait une course. C'est stylé par contre. On est des vrais Yankees. Comme ça, ça nous permet de nous balader un peu en ville. On va voir un peu l'activité des flics. Ok. Putain, 3 km, sa mère. Bah, mets ta ceinture, mon pote. Hein. Mets ta ceinture, on va bombarder. Et là, on va voir combien il va payer. Et l'avantage, c'est que ça me fait délover. Je vais pouvoir aussi m'acheter de la bouffe. On participe tous à la vie de la société, les gars. C'est comme ça. Hein. Au bout d'un moment, si je veux que mon service soit rentable, faut taffer grave. Hein. Bon, on a bien été balance par le Fight Club. Pour le Fight Club, je pense que c'est Larry, très clairement. Quasi sûr, ça doit être lui. Allez hop, $72 dans ma poche. $72 pour la compagnie de taxi, je crois. Nickel. Putain, elle veut pas se fermer cette porte. Hein. Tu vas la fermer ta porte? Voilà, c'est réglé. Et j'ai trouvé un client, impeccable, les gars. Vas-y, va là où il n'y a pas de porte. Nickel. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a beaucoup d'actions en ville. Hein. Je vais les suivre plus tard, je vais emmener ce client. 2 km ce chien. Allez mon bon monsieur, $64, vas-y hein, donne-moi, hein. Donne-moi. Ok, bon bah j'ai fait, j'ai rapporté un peu de l'OV, on va arrêter. Oui bonjour monsieur, vous avez appelé un service taxi. Oui c'est bien ça, oui. Est-ce que vous pouvez passer un appel plus conventionnel s'il vous plaît via votre téléphone, en allant dans vos favoris et appel taxi pour que j'ai les coordonnées GPS monsieur. Ouais d'accord, je fais ça alors. Très bien, et j'arrive, dès que j'ai reçu ça, à tout de suite monsieur. Ça marche, à tout de suite. Ouais, moi, ouais. Tu peux t'occuper du dernier appel, s'il te plaît. Je prends l'avant-dernier, là, celui où il n'y a pas les coordonnées. Ok, ça marche, t'as prévenu le reste. Non, mais tu vas t'en occuper. Y a Calvin qui est rentré à l'hôtel, il reste que Dawson à prévenir. Ok, ça marche. Allez, merci, gère-moi ça, s'il te plaît. Allez, let's go. Oh putain, il a perdu sa portière, le taxi. Oula. Je crois que c'est la mode. Ah, vous inquiétez pas, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive à votre portière? C'est vous qui avez appelé un taxi? Ouais, c'est moi, ouais. Ah, vous inquiétez pas, la portière, c'est une longue histoire, elle voulait pas se fermer. Bon, bah, je l'ai ouverte. Ah ouais. Bon, ah, moi, je connais un taxi qui a voulu faire pareil, s'est fait engueuler par son patron, hein, mais bon. Ouais, non, mais lui, il ignorait beaucoup de choses aussi. Bon, je vous emmène où, monsieur? Et qu'est-ce que vous foutez torse nu, putain? Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Je vais à la salle de sport. D'accord. Ça va soulever des haltères, là-bas. Ah ouais, bah ouais, y'a pas grand-chose à faire, alors bon, autant s'entraîner. Ouais, je connais, vous savez, moi, j'ai pas le temps de faire du sport, alors je suis des youtubeurs, là. Je sais pas si vous connaissez des youtubeurs. Youtubeurs sportifs? Ouais, ouais, des mecs qui soulèvent des haltères à longueur de journée et qui bouffent des œufs, putain, c'est pas une vie, ça, hein. Ouais, c'est clair, des œufs en poudre, en plus, hein. Ouais, je te jure. Ouais, je comprends pas ces gens. Mais bon, après, attention, moi je juge pas, hein. Chacun son métier, hein, encore une fois. Hein. Ah, ouais, je suis d'accord, hein. Mais bon. Mais c'est vrai que t'es là, tu suces des cailloux toute la journée, bon, ça casse les couilles au bout d'un moment, tu vois. C'est clair. Ah, il s'est passé quoi au parking central, monsieur? Bah écoutez, je sais pas, y a quelqu'un qui s'est fait frapper avec une batte de baseball apparemment. Oh putain, d'accord. Ouais, c'est pas évident, et c'est qui? Vous savez qui c'est ou pas? J'en sais rien, c'était quelqu'un, il était vachement brun. Une grosse veste noire et les cheveux noirs. Attendez, mais y'a quelqu'un qui frappe des gens avec une batte gratuitement? Bah, aucune idée, hein. Le mec il se souvenait de plus rien et puis après il est parti à l'hôtel donc. Ah, bah y'a du monde, c'est cool. Eh ben. Allez, monsieur. Ah, mais c'est pas Jameson et Parkinson que je vois là? Ah là, est-ce que $100 ça vous va, monsieur? Bah écoutez, je vais pas négocier. C'est très, très cool. Non, mais par contre, votre avis est pris en compte. Hein. Si vous trouvez ça cher, on n'hésitera pas à baisser les prochaines fois. Ah, bah non, non, on va pas râler. Hein. Déjà que les taxis, c'est dur de se mettre en place en ville, alors. Ah putain, je vous raconte pas. Hein. Sacré merde hein, qu'on a là. Hein. Bon, j'espère en tout cas que le salaire est bon, hein, parce que niveau éboueur. Bah écoutez, je vais vous dire la vérité. Il l'est pas. Mais bon, c'est comme ça. Ah, c'est moche, hein. Et ça vide les caisses par la même occasion. Allez, je vais voir un peu mes frères. Oh putain, quelle merde. Bon alors, ça soulève des haltères ou quoi? Johnson? Ouais. Ah, mais apparemment, c'est bon pour l'endurance, ça. A plus tard. A plus tard. A plus. Oh my god. D'exercer tout cela. Bon, il y avait de l'action au parking central, je vais y retourner. Et puis on sera bon. Pas mal. Pas mal les courses, entre guillemets, moldues. Alors, moldues, en fait, quand les gens disent des courses moldues, c'est... Ah, putain. C'est les gens qui parlent pas. C'est les PNJ, hein, les personnages non-joueurs, hein, vous aurez compris. Donc, ça, c'est bon pour alimenter la société parce qu'on n'a pas masse appel pour l'instant. On est 32 joueurs. Apparemment, là, le serveur était rempli ce soir. Forcément, on est 32. Il y a quelques appels. Mais à 128, on va être débordé. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Je préfère être débordé et dire, bon, bah on peut pas que rien avoir. Et là, pour l'instant, pas grand-chose hein, en termes de course. Ok. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Dawson? D'accord, vous avez un véhicule? Ou je dois vous déposer? Rien. Il y avait juste que il y avait
Ouais, c'est à terre, donc je me dis s'il faut l'emmener quelque part. T'as fait quelques courses là ou pas? J'ai fait des courses. Ouais, faites-en encore un petit peu et puis on va pas tarder à rentrer, monsieur. Derrière 1h du mat', on se retrouve à l'hôtel, ça marche? D'accord. Donc un hématome au niveau du front. Allez, bah, finis-moi ça en beauté, s'il te plaît. D'accord. Hop, ça dégage. Je vais aller fouiller vers le comico, voir s'il se passe des trucs. Et puis voilà, après on va tranquillement rentrer à l'hôtel et stopper là. Ça me paraît pas mal tout ça. Putain, mais c'est Dawson, mais il est partout. Hein. Mais quand je suis arrivé, je voyais déjà une personne dans le coma et ça se battait. Et il y en a un qui est sorti avec sa batte et il s'est barré du parking central. Et je vous ai dit d'aller voir plus loin. Oui, pour moi, c'était celui-là. Il ressemble vachement en tout cas. Bah, vous allez bien, messieurs ? Qu'est-ce qui va ? Ça va ? Non, bah, pour une fois, tout va chez bien. Moi, mais j'ai pas le temps en fait. Ah, je comprends bien. Moi, je vais rentrer chez moi justement. Je suis fatigué là. J'ai ramené un client, c'est apparemment. Vrai. Ça s'est mis des coups de batte de baseball sur le parking. Je vous raconte pas le délire. Ah, mais voilà. Je veux le nom. Oh là, des clients que j'ai ramené ? Sa tête, oui. Oh putain. C'est qu'il ressemble à quoi? Attends, est-ce qu'il ressemble à... Comment il m'a dit? À Jean-Louis David. Attends, mais Jean-Louis David, c'est... vous croyez que j'ai une photo de Jean-Louis David dans les poches ou quoi, putain? Non, mais quelqu'un de frisé qui a les cheveux... Ouais, avec les cheveux longs. Dans tous les sens. Un peu, voilà, frisé et cheveux longs. C'est Bloody. Mais qui vient de partir, pour vous dire, qui ressemble à celui qui vient de partir juste avant. Il est parti comment, ouais, le gars, juste avant? Il est parti en voiture noire, juste... voilà. Putain, c'est Bloody. Juste ce qui a été garé juste à la première place. Et c'est lui qui a mis les coups de batte de baseball? Bah, ouais, mais de toute façon, Pierre, j'ai une photo, si vous voulez, je peux vous l'envoyer, vous me dites si... Ouais, vas-y, envoyez-moi, ouais, je veux bien. Okay, parce que moi, le client que j'ai amené, il était torse nu, il était pas... Bah, il ressemblait pas à Jean-Louis David, hein, il ressemblait à mon boulanger. Jean-Louis Boulanger, vous connaissez ou pas? Et du coup, négatif. Mais du coup, ça, ça consiste à quoi, enfin... Et il dit qu'il a vu Bloody. Mais attendez, j'attends votre photo, quand même. Ouais, bah, je l'envoie, attendez. Ça me dira peut-être quelque chose, je sais pas. Je sais pas, pour moi c'est Bloody, les gars. Il y a que Bloody qui a les cheveux un peu longs, dégueu. Qui a acheté une date il y a pas longtemps. Ouais, je vais l'envoyer. Ah, attendez, bougez pas. Des barres, regardez qui c'est. Des barres. Ça me dit quelque chose, ouais, ça me dit fortement quelque chose. C'était un client à moi en début de soirée, ouais. Et il traîne d'ailleurs avec... vous vous souvenez du gars ivre mort, là? Il y a qui était là devant le commissariat, là? Raven, Jalali, Mokdar aussi. Non. Il y avait un mec un peu mexicain, là, un pack-pack ou je sais pas quoi, là. Jalali Mokdar, c'est un espèce d'Indien. Ouais, bah voilà, bah c'est son pote, putain, c'est son pote. Ouais. Bah laissez-moi me cogner à la table, là, parce que j'ai vraiment trop con maintenant. Ah, d'accord. Et il vous a tapé gratuitement, mais il est pas sorti de prison, lui, d'ailleurs? Non, négatif, il a ses potes en prison, mais lui, il a réussi à s'enfuir. J'avais pas de preuves contre lui pour voir ça. Oh putain. Bon bah écoutez, bonne chance à vous en tout cas. Moi je vous laisse, hein. Ouais. C'est tout ce que je sais sur lui. Bonne chance. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Mais c'est toi, Skok. Skok, c'est toi qui a démonté le gars. Là, c'était toi. Oh putain, ma porte. C'est quoi ces conneries, bordel de merde? Allez, on rentre. C'était toi. Oui, non, mais là c'est HRP, mais t'inquiète pas, hein, pas... Attends, de toute façon, là j'arrête, là, je rentre, donc tu vas pouvoir me dire. Ça va, Virginie, ma beauté? Donc on va s'arrêter là, je vais appeler Jameson pour dire bah, qu'on va stop, et puis on va faire un petit peu de TFT, je pense. Merci, mon Violence. Allô, hey, oui. Jameson, ça va, Jameson? Pourquoi t'as crié? J'ai pas crié, excuse-moi, c'est parce que j'ai vu un gars, tu vois. Ouais. Hey, je t'expliquerai, c'est une longue histoire, tu me fais chier. Ok, d'accord. Je vais rentrer à l'hôtel, là, t'as rien à faire, toi? Si, ça y est, on a fini, là, on a eu une petite histoire au niveau de la gym, là, une petite bagarre, mais trois fois rien. Putain, c'est encore Parkinson? Non, bah, avec Parkinson, on a dû démonter un mec, quoi, parce qu'il faisait le mariole, tu vois. Apparemment, tu feras gaffe, parce qu'il y a... Attends, c'est le mec que j'ai déposé en taxi? Ah non, bah, justement, lui, on est devenu pote et on a démonté un mec. Ok, les gars. vous ferez gaffe, parce qu'il y a quelqu'un qui se balade avec une batte de baseball. Dans la ville, ouais. Et qui commence à mettre des gens dans le coma. Donc, ah, sympa ça. Ouais, vous ferez gaffe à vous, messieurs. Et c'est pas Dawson. Au début, j'ai cru que c'était Dawson. Mais après, le flic, il m'a montré la photo. Et putain, c'était un des clients que j'ai eu en début de soirée. Donc faites gaffe à vous, hein. Ok, ça marche. Ils ont l'air un peu foufou. Il y en a un, il est mexicain. L'autre, il est pack-pack. Ouais, ça bouffe du sable, attire la rigole là-dedans. Mais bon, ils ont l'air assez énervés. Ok. Voilà, juste faites attention, ok. Ok, bah là, on va à l'hôpital. Petit bandage. Et puis je vais à l'hôtel. Allez, on fait comme ça, je vais à l'hôtel aussi. Vas-y, à tout à l'heure. Je vais pas à l'hôtel pour le coup parce que j'ai pas de véhicule personnel. Donc on va s'allonger là à l'ancienne. Eh, c'est bon, hein, c'est mon réseau. Hein. Normalement, moi j'ai un intérieur de. D'accord ?